Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour la deuxième édition de Métromag, ce magazine hebdomadaire agrémenté de sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous parlerons d'une innovation technologique qui pourrait changer Haïti, le Tchotcho mobile. Nous parlerons aussi des problèmes de l'Université d'État d'Haïti, comme annoncé la semaine dernière. Vous serez témoin de la destruction de l'église Saint-Gérard qui a signifié tant pour la communauté de Carrefour-Feuille. Vous aurez bien sûr un reportage concernant la sexualité, un petit portrait d'un musicien assez spécial et aussi nous allons revenir avec notre concours d'élégance avec la mode de la rue. Eh bien, au sein de la marque de temps à autre, on se réfère à l'expérience haïtienne en matière de portefeuille électronique. Donc tout ça, je peux vous dire, je répète ce que j'ai dit au début de votre, à la suite de votre question, tout ça donne vraiment chaud au cœur et ça me rend très optimiste pour l'économie haïtienne de ce point de vue. Dans notre pays, on est en train de faire une expérimentation qui est suivie avec un grand intérêt partout dans le monde financier, le Tchotcho mobile. Si ça marche, cette technologie remplacera le papier vert par de l'argent mobile transféré par cellulaire. Notre équipe a cherché à savoir comment ça se passe, mais la grande question est de savoir si vraiment le Tchotcho mobile peut contribuer à l'économie. Produire les Tchotcho mobiles là, c'est une grosse nouveauté. Et puis, c'est une révolution tout dans les affaires services banques en Haïti. Pour consommateurs, ça marche facilement. Ou faire un dépôt l'agent sous téléphone cellulaire ou la caille un agent Digicel. Après, ou ka voye l'agent ba n'importe qui moun. Ou sinon, retourner la caille agent Digicel là pour prendre ti kob. Quand on était dans le travail, on était dans le numéro de compte, on était dans le numéro de compte, on était très facile. It's the safest way to move money in the country, the fastest and the cheapest way. Ou pas besoin de pile l'argent dans la poche. Sécurité l'argent ou garantie. Même temps de bon ça parler en tant que dirigeant comme une assurance. Mais aussi que pour entrer dans l'assurance, il faut que vous travaillez. Tchotcho mobile, je ne sais pas, même temps, mon vraie information. Si c'est pour m'acheter Tchotcho mobile pour me connaître. C'est Digicel avec Scotia Bank, plus gros banque étrangère dans le pays qui développe le programme ça. Je crois que ce partenariat Digicel et Scotia Bank est l'une de ces démarches qu'il faut avec des marques aussi fortes pour réellement porter le drapeau haïtien à l'international. Et je peux vous dire que depuis la réalisation de ce produit, c'est de temps à autre qu'au sein de la banque, vous savez, nous sommes une grande banque internationale dans plus de 58 pays. Eh bien, au sein de la banque, de temps à autre, on se réfère à l'expérience haïtienne en matière de portefeuille électronique. Est-ce que Tchotcho mobile, l'enjeu qui a venu, a pu utiliser pour faire transférer l'argent dans le pays l'autre bord de l'eau? C'est possible de fournir ce service-là. Cependant, je vous dirais que les éléments de souci de ce côté-là, nous devons aussi observer les normes internationales. Automatiquement que vous effectuez des transferts de fonds, des remises de fonds de l'extérieur vers notre pays, dès qu'il y a ce qu'on appelle transfrontière, cross-border, eh bien, il y a toute une série de précautions à prendre du point de vue des normes anti-blanchiment. Projet Tchotcho mobile là, te recevoir plus de 10 millions de dollars dans le gouvernement américain avec Bill et Melinda Gates Foundation. Digicel has used those funds that it has been awarded to help grow the number of Tchotcho agents that we have to roll out services in different areas, community learnings. L'idée d'apporter à la population haïtienne un moyen de réaliser l'inclusion financière, c'est ce que je pense qu'il y a de plus excitant dans la mise en place du produit. C'est-à-dire que vous donnez au sireur de chaussures, vous donnez à la marchande de légumes la possibilité d'avoir accès à des services financiers, eh bien, je crois que de ma vie de banquier, c'est l'une des opérations les plus réconfortantes que nous avons entreprises. Qui a venu gosser produit ça sous ma chair? Est-ce que nous pensons qu'il contribue tout bon vrai, l'en fait plus de monde joindre travail dans le pays?
Tchotcho Mobile ne résout pas un ensemble de problèmes. Par exemple, Tchotcho Mobile, ce n'est pas encore de l'argent pour le financement. C'est-à-dire, Tchotcho Mobile, c'est toujours le cash. C'est le cash entre individus. C'est pas la banque qui fait encore confiance au producteur qui va prêter au producteur. Quand même, je sais que ça peut beaucoup aider à dynamiser l'économie haïtienne. Je viens de vous le dire, vous savez, il est prouvé partout ailleurs, par exemple au Kenya où le produit est très populaire, où ça a pris de l'essor, et au Brésil aujourd'hui, au Pérou où nous venons de le lancer aussi, que le portefeuille électronique contribue à favoriser l'épargne. Au moins, si je comprends, je me dis que je me dis est-ce que vous avez un mobile là? Juste même si je me dis bon, mais ça me comprend que si le bon, je me dis oui, il est bon, si le pas bon, je me dis pas bon, même pas qu'on a rien de ça. Pour beaucoup d'Haïtiens, la sexualité est un sujet tabou. Est-ce vrai? Alors que la littérature est libre sur ce sujet. Pour avoir la réponse à cette question, l'équipe de Métromag a interrogé quelques jeunes à Livre en folie. Suivez. Qui sa jeune fille avec jeune garçon haïtien a tant dans relation fait bagage. Métromag choisit parler des sujets ça, l'un événement qui réunit en pile jeune. Livre en folie. Dans une relation sexuelle, ça me dit le plus souvent, et c'est désir que une partage pour l'autre. Ça que moi senti et lui même tous les jeunes les en retour. C'est un moment qui me trouvait qui vraiment comme tu as dit qui très douce et comme tu as dit et puis comme si on trouvait comme si tout très à l'aise. C'est période de comme si d'éjaculation. Donc c'est ça que je suis aimé là, n'a pas sexe, là fait sexe. Dès plus jeune âge même, dès qu'on fait sexe, bon, pas qu'on qui salte au juste. Je, avant même de formé, dès qu'on fait sexe. Bon, pas à énumérer premier succès, dès qu'on la seule chose de me faire sexe, je connais des succès. J'en ai partenaire à se dire là, le mouvement dans la période d'éjaculation, c'est tout à fait. Je considère ça comme un succès parce que c'est un bagage qui me trouvait plaisir là-dedans, que je trouvais qui est extraordinaire. Il y a un échec lorsque il y a une éjaculation précoce, là, il y a un échec. Mais quand même, ça, c'est encore un plaisir. Alors, dans le cas de ça, moi, je le répète encore, même si c'est pour une date. Et c'est une bonne expérience parce que nous arrivons mariés, nous arrivons en forte, tout ça. Même tout ça très bien. Nous vivons bien. Nous avons une belle vie. De nos relations, de vivre bien. Mais le bagage a marché, je crois que dans le fait bagage, moi, ça me comprend, c'est pas de chance à dire. Pour moi, je ne sais pas si je suis succès dans cette situation. Mauvaise expérience que je fais dans le lit, c'est parce que un jour, je suis sorti avec une petite fille, je me disais, je suis sorti un jour, je suis sorti avec l'autre nègre. Et puis, mauvaise expérience que je fais. On ne peut pas supposer qu'on soit partenaire. Le pourquoi pour protéger tête et pour protéger partenaire alentour. Gagner deux plusieurs, gagner deux partenaires, pas plus si c'est deux seulement gagner. Les cas entraînent, quand on enchaîne sans que vous pas rendre compte. Fierté ménagement, c'est que vous retrouvez toute bagaille. Un garçon t'a supposé jouer là quand il y a un film, jouer là ménagement. Sérieusité, amour, tout ça qui est bon, tout ça qui fait femme, madame, moi gagne. Au concert de la sexualité, l'homme est une note déjà accordée. Et la femme est un clavier à bien accorder. Et que la jouissance précoce chez elle, chez lui, disons, est une déception pour elle, alors que la jouissance précoce chez elle est une assurance pour lui. Mais heureux, le couple qui arrive à s'harmoniser pour exécuter une sexophonie bien achevée. L'église Saint-Gérard à Carrefour-Feuille était gravement endommagée lors du séisme du 12 janvier 2010 dernier. Récemment, l'église, le cœur de la communauté catholique, devrait être détruite. Suivez donc ce reportage dans lequel les croyants sont animés d'un sentiment double. D'un côté, la nostalgie, de l'autre, l'espérance d'une reconstruction. Quartier Carrefour-Feuille a plus passé 150 000 personnes qui vivent là-dedans.
Katia était vraiment endommagée par gros tremblement de terre qui t'a frappé pays. L'église Saint-Gérard pas t'épané. Youn nan gros l'église catholique dans zone. Moi j'étais rue Saint-Gérard numéro 86 depuis 1971, c'est là que grandi parce que nos propriétaires dans zone là. Et Saint-Gérard c'est pas paroisse moi. C'est là mal l'église. Donc t'as frappé nous l'aile d'écrasé là. Tout le monde qui est dans la zone là, tout le monde qui est catholique, là à l'église. Depuis l'église, il a crasé. Comme si tout le monde a marché des bras croisés. Si pas pas là pour brailler, c'est pour aller au cabaye, c'est pour aller pour aller, parce que l'église là, là, il tient tout le monde. C'est pour tout le monde là et pas pour seul le monde là. Plus passé deux ans après le tremblement de terre, projet reconstruction l'église a beaucoup de jambes démarré. N'importe ça qui gagnait, parce qu'il n'y a pas besoin de pour payer pour ça, je suis venu, bah écoute mes femmes. Moment arrivé pour l'église la démolie. Les gens qui conviennent prier dans la paroisse là, doivent dire au revoir à l'église ça a aussi tellement aimé. En 1931, ils ont fini de faire le bâtiment, la partie centrale. Là. Et c'est pour ça que depuis 1931, la chapelle n'est pas une chapelle publique. Ou bien, je dis, pas une chapelle paroisse. C'était une chapelle monastère. Donc, on a invité tout le monde dans le quartier à venir prier. D'ailleurs, pour tous les fidèles, pour te coller ensemble pour l'église de la reconstruire, pour le temple de la rebâtir. L'église Saint-Gérard était un symbole. Et le symbole, ça, quand la catastrophe, ça, quand coup, ça, ça montre à clair que la communauté a même touché. C'est peut-être ça que nous avons dit, du point de vue psychologique. Et la peine, c'est que l'église, par le symbole, par le symbole, touche dans l'état, ça, et jusqu'à aujourd'hui, donc on a travaillé là-dedans pour mettre ça dans la paix sur lui. Croyant yo prier bon Dieu chaque jour pour l'église la tourner belle, même Jean l'ité en vent. Comme ça, y a senti yo honoré mémoire sa qui t'est allé en vent yo. L'histoire de l'homme se présente comme une course entre l'éducation et la catastrophe, selon l'écrivain américain H.G. Wells. Notre enquête sur l'Université d'État montre qu'elle est plus près de la catastrophe. Des étudiants interrogés nous en parlent. Dans ce reportage, on va visiter également le campus de Limonade, qui peut donner un nouvel espoir. La deuxième moitié du 19e siècle, l'Université d'État d'Haïti a pris naissance. C'est le plus important établissement qui a fourni enseignement supérieur à la recherche en Haïti. Tremblement de terre a tué plusieurs centaines d'étudiants et professeurs. En pile dans le bâtiment ont été écrasé rapidement. Deux ans après la catastrophe là, puis fort là dans un abri transitoire. Faut que nous dit tout après 12 janvier, pour ce ça va être facile parce que nous bâtiment nous écrasé. Donc c'est en bas une série de comme des cas dit ça, en gare que n'a travail qui fait vraiment chaud. Ça permet que le processus d'apprentissage est vraiment difficile. Je te prends un peu de temps pour ouvrir la faculté, mais regardez pas qu'il y a vraiment grand changement. Toujours, jusqu'à présent, si on est sous des combles là, moi c'est son mari qui n'est pas intéressant du tout. Problème hébergement pas seul obstacle. L'université ça n'a pas jamais recevoir 1% dans le budget de l'État. Et comme résultat, il y a un professeur qui a quitté. Le professeur n'a pas touché à l'air. Comme si vous venez des professeurs qui viennent trouver nos niveaux qui mesurent le coût pour la bourse. Même l'État n'est pas le responsable parce que l'État n'a pas pris en main. Quelqu'un qui a une maîtrise, quelqu'un qui a un doctorat et à qui vous ne pouvez donner à plein temps que, d'adis, 30 000 gouttes, 40 000 gouttes, 50 000 gouttes. Mais mon cher, c'est très facile. Mounsa joindre un travail dans des ONG, dans d'autres organisations qui payent 4 fois, 5 fois plus, tu vois. Une fois qu'il a fait un travail parallèle, un job consultant dans l'ONG, ça vient poser problème, faire professeur, lui mettre professeur à temps plein, ou même comme mémorant, ou vienne en difficulté pour capable jouer un professeur ça pour capable accompagner dans le travail mémoire
sortir. Dans tout pays qui est sérieux, c'est l'université qui fait pays en pointe. Le pas. Mais nous-mêmes, c'est garder nous regarder le pays qui fait bac. Nous avons tout profité de faire bac. Le budget université d'État est représenté environ 0,5%. Donc ça a une cause que également il y a des difficultés pour que nous soyons capables de bannir tout nombre de cours que nous sommes capables vraiment besoin pour assurer une pleine connaissance de matière que nous avons préparée. Dans nos pays, il y a un nouveau soleil l'espoir pointé. Campus Limonade là qui est République Dominicaine by pays. Mais déjà il y a un gros débat qui a fait concernant la gestion campus là avec financement. Plusieurs observateurs questionné motivation cadeau 50 millions de dollars ça. Ils ont demandé tête yo si c'est pas une forme impérialiste dominicain. Si c'est américain, si c'est canadien ou si c'est français que tu fais, c'est la même bagarre là. C'est-à-dire nous tapons toujours la même position, je dirais, de l'assister, la position de l'obliger par rapport à celui qui donne, par rapport au bon samaritain en quelque sorte. Mais ça n'a rien à voir avec la République dominicaine. Donc pour moi-même, c'est pas l'université de la honte, parce que Simon Sao qui gagne opinion ça, pour me faire un peu de pédagogie avec eux, le conséquent dans cette vie, c'est pas seulement l'université de la honte, non, c'est le salami de la honte, c'est la saucisse de la honte, c'est le poulet de la honte, ce sont les œufs de la honte, c'est le riz de la honte. En quelque sorte, nous chita sous de bœuf là, n'a critiqué cuit. Il n'est pas bon comme ça. Donc, c'est un débat global que lié. Et moi-même, je suis capable de dire que dans toute sa Dominique est fait, il y a bouillé à nous, c'est le seul bagage que je suis capable de chita, franchement, pour me battre bravo des quatre mains. Parce que ça allait bon. Un campus universitaire pour la première fois hors de Port-au-Prince, offert par un pays étranger. Ça pose des problèmes et des enjeux, t'as dit, majeurs. Des enjeux concernant l'enseignement supérieur, des enjeux concernant la décentralisation, des enjeux concernant les relations internationales d'Haïti. Or, seule question que t'es posée dans l'époque là, c'est est-ce que ça devait revenir à l'UEH ou pas? Donc, que c'est UEH, que c'est pas UEH, que c'est l'autre entité, moi là, comme un serviteur de la communauté universitaire haïtienne, dans son intégralité et m'a fait en sorte que nous ayons un repas en bon amite pour que l'île en goûte tout le monde. C'est quand même le campus de Limonade qui est dans le patrimoine de l'Université d'État d'Haïti et n'a fait tout possible nous pour que la rentrée académique se fasse en octobre prochain dans ce campus. Les vrais artistes sont ceux qui peuvent divertir sans podium, sans grand décor. L'équipe de Metro Mag veut vous inviter à faire connaissance avec un musicien qui anime son public avec une guitare qu'il a lui-même inventée. Chers téléspectateurs, suivez donc ce show offert par Maxius sur la place Boyer. Et c'est depuis un petit c'est lui m'apprendre pas gagne monde montrer jouer guitare m'a jouer ali pas gagne valeur pas gagne monde qui ta bon mon on croisement la donne avait dit ça habitue tout kembe merkle qui va terre me fait qui va terre m'a pas tout est à plan et moi qui fais guitare m'a pas prendre quoi pour m'acheter parti et non qui va terre me coffrer pour lever petit pour lever petit travail, je travaille dit pour lever petit. Je fais avec avec munition, avec tol fait. Je fais avec des tol fait et marche avec bras. Dans le pays, je joue tout badou, dans le bal nos. Nous jouons pour eux, mais comme là. Nous pas mal valer, mais nous c'est tant pis. Petit, il y a secrétaire et 4 millions pour tout. Yo pa bin jouer yo commencé té jouer mais yo pa yo moi papa m'a grand courage bon yo dit monsieur musicien papa m'n'a pas gain valeur. Pour la deuxième fois, notre parade de la mode de la rue, les fashionistas, les gens bien habillés, même avec les pépés. N'hésitez pas à participer à notre concours d'élégance. Bientôt,
nous allons annoncer les prix des 3 finalistes. Alors, écrivez-nous et nous allons vous inviter. Je choisis un billet comme ça parce que c'est comme ça que je me sens mal à l'aise. Normalement, je achète dans quelques stores, Pétionville ou bien des femmes qu'on achète sur Internet. Comme ça juste moi remet look là ça qui sous moyen bon et pas acheter m'acheter mais à vrai dire moi maillot en son bon ami qui fait un cadeau mais pantalon et anniversaire mon monde fait un cadeau c'est une culture pour nous habiller en bois en belle jupe large et puis tout robe mais gen moun qui habillé tant que on était capable de dire qui remet mettez veste gen moun qui calé corps. Je voulais qu'on aille au policier matin. Parce que d'habitude, quand on est policier, c'est bon, t'es piqué. Collier ça qui est dans le coumla, moi j'ai acheté un artisanat en fait. C'est un collier qui fait avec recyclage. Ok, tant que déchets, bah, ça, c'est AIC qui produit, c'est local. Il représente la simplicité parce que je sens que je me habille de façon qui plus simple que possible. Bah, je mets toutes couleurs et je me compliqué dans ça, je mets ça fait me choisir ce style. Moi j'ai un budget pour m'habiller, même j'ai haïtienne parce que radio anti j'en vends cher, mais puis devant m'a fait ça. Mesdames et messieurs, c'est bien sûr la fin de Metro Mag, ce nouveau magazine hebdomadaire d'une demi-heure qui est produit par Haïti Reporter, une équipe de jeunes journalistes haïtiens. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle édition. Le plus prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine.